Well, good morning, welcome to my vlog. My name is Johan. We're in Bali, East Karangasem. East Bali, Karangasem. Just walking in the jungle, checking a few things. I've been checking some science things, like research on the organic chocolate. And where I am right now, it's super well adapted to that. They have everything that is needed for organic. Actually, it grows organically here because they don't use anything special except the sun, the wind, and the soil. And it's working well. We can increase things organically, no problem. But yeah, it's there already. So we just need to pump that up. Season is coming for the next chocolate season, harvest. It's coming up. You can see in the video, I'll show you like lots of chocolate cocoa growing right now, another 1 month. But yeah. Everything, pineapple, coconut, could be mango tree, could be mangosteen tree, could be banana tree, could be palm tree. To every little tree works very well in the ecosystem for the chocolate. That means that, oh wow. They try not to sleep here because it's slippery. Their roots, the way they provide the nutrition, they take it away or they reprovide it again, depending on the season, works super well with the chocolate. Yeah, so I can't talk too much about it because otherwise you're gonna be bored about it. But it's here, and it's nice. Ah, bonjour, bienvenue sur mon vlog, je m'appelle Johan, en plein cagnard. Non, c'est juste une petite... N'essayez pas de glisser, ouais. Twist. En tongue, c'est pas facile. Oh, yeah, yeah. Oh, il signe du gars, yeah. De la vanille. De la vanille qui pousse. Yeah, alors voilà, aujourd'hui on marche et je fais de plus en plus de recherches scientifiques sur le chocolat et comment le faire grandir de façon biologique. De toute façon, ça se passe déjà en ce moment. Ils font tout ça de manière biologique puisqu'ils n'ont pas le, ils ont pas besoin de fertiliseurs, d'engrais chimiques ou de pesticides ou whatever. Non, pas du tout. Donc je fais pas mal de recherches pour savoir quel écosystème pourrait s'adapter un peu plus, aider un peu plus le chocolat, etc., etc. Et je vois qu'effectivement, ça existe déjà ici pas mal. Il manque deux ou trois choses. On peut pousser certaines choses biologiquement pour que ce soit plus adapté. Mais ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Comme je disais tout à l'heure en anglais, chaque arbre, chaque racine, que ce soit des mangoyers, des cocotiers, des bananiers, des ananas, des même ceux-là, des gamales, on les appelle les gamales, qui sont des fixeurs de nitrogène, etc., etc. Tout ça acte dans un écosystème pour le chocolat et c'est super magnifique et ça comme ça c'est comme ça que ça devrait être le monde. Et là on est dans une, je viens juste de voir ça, on est dans une petite ferme de vanille. Il y a quelqu'un qui a fait pousser de la vanille. Vanille. Voilà.
Même ça c'est des ananas. Avec des bananes. Oh, l'araignée. Voilà. Donc, on marche, on visite et on étudie. Tout ça pour l'écosystème des chocolats. Qu'est-ce qu'il est fort ce paquet tout. Il est fort. Plus fort qu'un ananas. On sera au prochain épisode. Very strong, strong paquet tout. Very strong, very focus. Pig, good morning. Sorry, I really have to put that cap on today because we are climbing up the tree, up to the white mango tree. We got a specialist of tree climbing right here. He's like tiny and bones morphology is like tiny as well, but he's like super robust, kind of like muscly, and just enough to climb up the trees like easily. And he's only 24 as well, so it helps. Ouais, bonjour, je m'appelle Johan, bienvenue sur mon vlog. Vous avez le deux vlogs pour le prix d'un aujourd'hui, parce que je vais mixer celui d'hier et celui d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va monter sur les arbres des mangues blanches avec quelqu'un de spécial. Un jeune de 24 ans, Saïd, pour monter dans les arbres. Rappelons-nous, j'ai 37 ans, ça se voit pas, je sais, mais c'est comme ça. Ouais, je dois mettre ça aussi. Ça, c'est pour des raisons de sécurité. For safety reasons, I have to wear the cap. There you go. Et ça, paquet tout. Allez, c'est parti. Papa.
What makes the white mango tree so special as well is that it takes 25 years from the first time it produces white mango. So the big trees over there, Paquetut was telling me that actually his granddad planted it and they only got the first fruit like maybe 10 years ago. Makanya dari desa ada peraturan tidak boleh tebang pohon wani. Terkecuali dia sudah mati, ya. Bagaimanapun rasanya, tidak boleh ditebang dari desa yang memberikan peraturan. Dari desa adat, desa Pekraman. Awig-awig yang ada di Balai Agung, dari leluhur, tidak boleh menebang wani. Ya. Tidak boleh? Tidak boleh. Terkecuali dia mati sendiri, baru. Jadi alami sendiri? Ya. Hanya di sini aja. Hah? Hanya di sini aja. Iya, dingin saja. Ya. Yang dingin. Yang lain-lain banyak yang jual-jual pohon wani. Di sensor lah pohonnya. Kalau di sini enggak boleh. Nanti desa yang menyalah. Tanah itu bisa diambil oleh desa. Ada 7 jenis tanaman yang tidak boleh ditebang. Wani, pakel, duren, tep. Tingkeh, kemiri itu namanya tingkeh, tingkeh, cempako, sandat, 7 tidak boleh itu ditebang terkecuali dia mati, desa yang melarang gitu, biar supaya dia lestari lah artinya ada berbuah banyak, ada jatuh boleh kita mungut, warga masyarakat boleh, boleh mungut. While he's up there, he's doing his stuff. Cutting all his white mangoes. Je disais tout à l'heure que qu'est-ce qui rend l'arbre et enfin les fruits assez spéciaux, c'est que ça prend 25 ans avant la première production. Donc en fait c'est son grand-père qui a planté certains des arbres, plus les grands-pères d'autres familles aussi qui ont planté d'autres arbres. Il m'a dit que certains arbres remontaient quand même jusqu'à 12 générations avant et produisent toujours. Donc ils refont le cycle à chaque fois. Mais ça prend 25 ans, à peu près 20 à 25 ans avant de produire les premières mangues blanches. Petit poulet, qu'est-ce que tu fais? T'es tout noir. Faut faire attention parce que là les mangues, elles tombent. Et là si ça tombe sur mon beau visage. Qu'est-ce qu'on rigole? Hey. All right, that's it for me. That was vlog 50. 50 already. You got 2 vlogs in one. Amazing. The wani
go up the tree, and the one from yesterday with the explanation of chocolate and so on. So we're still looking for investor, people who are interested to be serious in a chocolate brand, high quality, one of the highest quality in Indonesia. You contact me. You want to invest, you want to be serious, you want to see for the future with the philosophy of Mamula, then you contact me. Alright, to your donation, the donation still go on, and the donation will become a subscription. What does that mean? Is that when you donate, it will participate into the program that we are putting in place, but also that will be transformed into a subscription. That means you will receive stuff that we are producing. So chocolate, honey, coconut oil, things like that. I've been on President Jokowi Facebook so much and write so much that they put me as a spam. And how incredible is that? I'm a real person, I'm not a spam. I just want to meet the president. So you can, thank you, Ozzy. You can help me. Just share my stuff. Hashtag Jokowi, Jokowi Dodo, etc., etc. Let's change the world, starting with Indonesia. Voilà. So there was me from Bali, Karen Sam. Positive vibe from Bali. You take care, love you. Thank you very much for following me. Please like, share, subscribe. We're good. We're good. Take care. Bye. Voilà, voilà. C'est terminé pour aujourd'hui. Le vlog 50. Vous avez deux vlogs en un. C'est-à-dire que j'ai fait des vidéos hier et les vidéos aujourd'hui. J'ai même pas changé de t-shirt en plus. Ouais, pour aller chercher les mangues blanches et hier on parlait des chocolats, etc. organiquement, biologique. Voilà, tout se passe bien. J'avais dit quoi tout à l'heure. Ouais, j'ai écrit tellement sur le mur de du président Jokowi qu'ils m'ont mis comme spam. Alors il va falloir débloquer tout ça parce que je suis pas un spam, je suis vraiment réel. Moi, je demande à rencontrer le président pour qu'on parle du futur, etc., etc. Qu'on se bouge, qu'on reste positif, qu'on mette l'Indonésie en piédestal parce qu'ils peuvent faire ça. Tout provient, tout ce que vous utilisez, du shampoing jusqu'à ce que vous mettez, maquillage, ce qu'on bouffe aussi, les pesticides et tout bazar, tout ça provient du pétrole. Eh oui, donc vous vous empoisonnez automatiquement. Donc voilà, on veut changer tout ça, mais ça commence par le chocolat. Donc en parlant de chocolat, on recherche des investisseurs sérieux, super sérieux, des gens qui veulent voir le futur changer, et on commence par le chocolat, etc. Les donations que vous avez faites et les donations que l'on reçoit, que l'on va recevoir d'autres personnes, seront utilisées et transformées aussi en tant que subscription, c'est-à-dire que vous allez recevoir des choses que l'on fait, donc du chocolat. On veut être l'un des meilleurs chocolatiers d'Indonésie parce qu'il y a la qualité ici, non pas que la quantité. Il y a de la qualité, il faudra rechercher. Donc j'ai besoin de votre aide. Aimez, partagez, faites une souscription. On y va à fond, on ne ralentit pas, on bouge, on bouge, on bouge, on bouge. Voilà. C'est toutes ces. Tous ces goûts, yam yam. Voilà, les soy sauce, sauce, la sauce sucrée au soja, comment on dit? Ouais. Bah bon, voilà. C'est tout pour moi, des ondes positives de Bali. Passez une bonne journée, merci de me suivre et à demain, bientôt. Ciao, take care, love you.